C'est pas vrai, ça a l'air naze. Revenons sur le jeu vidéo, il y a un autre jeu aussi pas mal qui est sorti cette année. Il est sorti, tiens, en juin 2005, c'est Battlefield 2. Ah oui. Avec une recommandation à la vente aux plus de 16 ans, hein. C'est pas pour les gamins, ça. Ah, ça, j'aime bien, oui. Ah oui. C'est vrai? Ouais, j'aime bien, bah oui. Ah, vas-y, allez, on balance des images, c'est pour Alex. Non, ah bah non, c'est Civilization 4! Qui s'est trompé? C'est pas grave. C'est pas grave. Eh bah, venez, on parle de Civilization 4. Civilization 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps sur PC. C'est tout récent, en fait, on l'a dit, parce que c'était attendu depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de gens à Game One qui jouent énormément, d'ailleurs. Mmh. Et pas que les chroniqueurs pouvaient aller à l'antenne, on parle. Et c'est le moment de remercier tout le monde, d'ailleurs, parce qu'on parle aussi bien de nos monteurs, de la production, des stagiaires. Tout le monde, tous ceux qui contribuent à faire le Game One que vous voyez, en fait, on joue à Civ 4. C'est vrai. C'est un de leurs jeux favoris. On me l'a réclamé. Ouais. On vient souvent voir pour me dire ouais, t'as pas façon de gratter la scène, un petit jeu gratos, c'est tout. Civ 4, tout le monde. Quoi. Gratos. Comment ça? Et je leur dis mais non, Joe. Mais non. Non, mais c'est pas possible. Tu vois. Civilization 4, c'est super. Donc 7000 ans d'histoire. Je vous rappelle, de stratégie. Ça peut sembler choquant comme ça qu'on voit certaines images, mais il faut y jouer. C'est absolument prenant. Ah ouais. C'est fan. Sid Meier au passage. Sid Meier, c'est le créateur, n'est-ce pas, de la série des Civ, mais de Pirates aussi, de plein d'autres jeux qui sont absolument fantastiques. En fait, on ne va pas vous en reparler. C'est juste génial, faites-nous confiance. Voilà, ouais, c'est disponible sur PC. C'est sorti en octobre.